Avec l'urgence écologique, je pense qu'il est vraiment temps de changer de modèle de mobilité et que les cyclistes, les piétons doivent vraiment avoir une autre place dans la circulation. La masse critique, c'est une coïncidence organisée. Donc, les cyclistes se retrouvent à un endroit, à une heure donnée, et on roule ensemble pendant une heure, plus ou moins, et puis on se retrouve autour d'un verre, c'est convivial. Ça a lieu partout dans le monde, en fait, c'est un événement international. Et nous, on s'ancre dans ce mouvement en fait, qui est né à San Francisco dans les années 90. L'objectif, c'est justement de retourner les codes de la circulation et de pouvoir, pour une fois dans le mois, en fait, que le trafic soit au rythme des vélos et pas au rythme des voitures. Parce que souvent, c'est les voitures qui font la loi sur la route et les vélos sont mis en danger. Et donc, pour nous, c'est important de montrer une fois par mois que voilà, les cyclistes existent, se montrer et montrer aussi qu'on a besoin de sécurité et qu'on marque le trafic une fois par mois. À Namur, c'est une trentaine de personnes qui se rejoignent. C'est très convivial. Puis alors, on essaye d'avoir des thèmes aussi chaque fois. Chaque mois avoir un thème spécifique. Aujourd'hui, c'était la sécurité. Et puis, ça peut être l'attention pour les enfants. Aussi, on lit avec différentes causes, comme le féminisme, pour les femmes, pouvoir être à vélo, en jupe, des choses comme ça. Donc, avoir des bases critiques thématiques. À Namur, on a aussi des vélos spécifiques. Et donc, ça, c'est très chouette parce que ça met aussi un peu de folklore et c'est très réjouissant, quoi. Vraiment, c'est vraiment libre et chacun qui voit l'événement peut venir à la masse critique. On publie à chaque fois l'événement sur notre page Facebook, donc c'est Masse Critique Namur. Et on espère en fait être à chaque fois le plus nombreux possible, donc bienvenue aux nouveaux. Et évidemment, plus on est, plus ce sera réjouissant et plus on marquera aussi le coup. Donc voilà, bienvenue à tous.